Chez nous. Il y a combien? 16 chapitres, on est à la moitié. Ou 10 chapitres, je ne sais plus combien il y en avait. Un cauchemar. T'es déjà debout? Oui, j'ai trouvé plein de choses. Viens voir, tu vas adorer. Ok. Allez, allez! C'est quoi ce bruit? C'est Lucas! Suis-moi, tu vas voir. Les fleurs dans les cheveux. Ça me réveillera. Ah, mais elles disparaissent chaque fois. C'est très joli comme... Je me demande s'ils ont fait exprès. Hugo m'attend. Je ferais mieux d'y aller. C'est la troisième ou la quatrième fois que je récolte des fleurs qui me les fout dans les tifs, mais chaque fois ça disparaît. On va avoir du travail. Ah, un établi. Voilà, c'est ça. Ah, mais je peux faire plein de choses. Alors, poche. 16 matériaux, des munitions. Ah, Amicine n'a plus besoin d'un atelier pour améliorer son matériel. Ça, c'est plutôt cool. Pas mal. Pas mal du tout. Ça, c'est plutôt très cool. Je ferais mieux de rester avec Hugo. De quoi nul nul nul. Il va falloir qu'on rapiasse ces paillasses. Est-ce que... Ah oui, c'est les objets qu'on a trouvés. Au moins ça nous évitera de les perdre dans ce bazar. Les objets qu'on a trouvés? Je n'ai trouvé qu'un! La nana qui n'a pas exploré! Un lion vert qui dévore le soleil. J'espère que ce n'est pas une prophétie. Un lion vert qui dévore le soleil? Je descends, tu veux venir? Ça va où comme ça? Une fenêtre! Ah, c'est glauque. Puis là, il y a une horde de rats qui se jette sur moi et qui me bouffe. Oh, une tombe. C'est qui? Je sais pas. On peut dire quelque chose si tu veux. Pardon de vous déranger. On n'a pas de bougie. Mais on va vous laisser tranquille. Et merci de nous accueillir. Allez, allons-y. Pardon de vous déranger, on n'a pas de bougie, on va vous laisser tranquille. Ok. Bon, ça m'a fait un ouf. Enfin, un succès. Bien dormi? Non, je n'ai pas fermé l'œil. Ce laboratoire est en mauvais état, mais il m'a inspiré. Je suis tout près d'aboutir mon grand œuvre. Vous pouvez m'aider. Oui, oui. On doit faire quoi? Amicia, j'ai besoin de la fiole sur la table gauche. D'accord. Et moi, et moi.
Je fais quoi? Il faut de la lumière pour le final. Hugo, une bougie. Ça, je sais faire. Oh, ça doit être ça. Ça pouille, messire. Les alchimistes ont vécu ici. Laurentius aussi, peut-être. Tiens, autre chose? Oui, le concentré de sève de laurier. Juste derrière moi. J'y vais. C'est quoi un grand œuvre? Ça se mange? C'est l'élixir qui éclaira ton chemin. Le flambeau du porteur de la Macula. Ça m'est venu comme ça, cette nuit. Voilà. Bien. Voilà. La larme de l'ange. Le couronnement alchimique. L'élixir. Hugo. Waouh! Le grand œuvre. C'était pas censé faire ça. Oh. C'est pas grave, Lucas. Peut-être qu'on devrait te laisser te reposer, hein, Hugo? Bravo, Lucas! T'es un sorcier! Amicia, viens! Je te suis. Ah, super, ça valait le coup de venir! Même pour venir pour qu'on se rebarre. Au fait, tu as vu Mélie? Non. Ah, elle. Elle est peut-être déjà partie. Oh non, je veux lui dire au revoir. Bon, les gens, je vais juste pisser. Petite pause. Si vous voulez chercher un truc à bouffer, à boire, profitez, je reviens. C'est monstrueux. Hier, j'ai fait le ménage. On a passé l'aspirateur. On a passé la panosse par terre. On a tout nettoyé. Parce qu'on s'est dit, on va tout faire nickel à cause du chat qui... Et ses problèmes. Et là, je viens de ramasser. Il a dû éternuer dans un coin ou je sais pas quoi. Je viens de ramasser une espèce de...
de traînée de morve. Mmh, je suis contente. J'adore. Quand tu viens de nettoyer, que tu dois tout recommencer, c'est génial. Et GG Rurik, level 11. Maou. Viens. Au lieu de râler. On est content. Bon, petit biscuit. Merde. Et hey, coucou Mike. Merci pour le follow, comment ça? Toujours à l'heure ce chat, oui. Allez. Bon, on reprend. Ça doit faire des siècles que un creuset d'alchimiste. Lucas sera content. Putain, mais ce follow, ce... Ouais. Amicia, viens, on fait tous les deux. Wow. Ah, ça va, on rigole bien. Je suis sûre que l'Inquisition aussi. Mali, alors t'es pas partie? Viens, faut qu'on parle. J'espère qu'ils ont foutu le feu au rat ou quelque chose, pour s'en débarrasser. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que ce château est une ruine. Ah. Et c'est exactement ce qu'il vous faut. Ceux qui ont construit cet endroit voulaient vraiment pas qu'on les emmerde. Soyez sages et ça ira. Alors, tu vas partir chercher Arthur? Si je peux aider? Arthur, c'est mon problème. T'as entendu comme moi. Ces chiens de l'Inquisition l'ont emmené au bastion. Je sais où chercher. Je le trouverai. Amicia, viens voir. Écoute, avec Hugo... Ça a pas l'air facile. Non, mais crois-moi, ça vaut le coup. Il te sauvera. Ils finissent toujours par nous sauver. Même si, tu sais, les frérots, parfois, t'as juste envie de les tuer. Les symboles, Amicia. Je te crois. En tout cas, pars pas sans dire au revoir. C'est pas mon genre. Amicia. J'ai pris un carré de chocolat noir bien amer. J'aime pas le chocolat noir. Et coucou, Mike. Du coup, comment ça va? Merci pour le follow. Parfait pour la mise en bouche avant la pizza. Ah oui, le chocolat avant la pizza, très bien. Twitter a dit que je devais venir dire bonjour, alors... bonjour, coucou, et c'est ce qui est, comment ça va? Paris poisson, qu'est-ce que tu manges du coup? Ouais, je sais pas ce que je vais me faire à bouffer. Je sais même pas si j'aurai le temps de bouffer, parce qu'une fois qu'ils vont se barrer... Là en bas, je vais y bosser. C'est comme le dessin. Quel dessin? Celui de la salle à manger. Je vais te montrer, viens. Je te suis. J'ai résisté à la purge de ton... Ah bah oui, t'as dit pizza, putain, je suis con. Mais c'est voilà, pas, c'était pas une, c'était pas une purge en fait. Des armoiries d'alchimistes peut-être. Tu as vu l'arbre? L'arbre? Viens, allez par ici. Ouais, non mais. Ah, où vous allez? Oh, tu t'es fait de nouveaux amis? Oui. C'est pas tant les gens qui postent pas, hein. Ça, c'est surtout les gens qui postent des trucs qui m'intéressent plus ou qui sont complètement inactifs. Après, les gens avec qui je m'entends bien, je les supprimerai jamais, même s'ils tweetent plus rien. Et coucou Jinx, Jinxka. Ce pseudo me dit quelque chose. Bienvenue. D'être malade, Amicia. Non, vous êtes déjà venue, je sais plus maintenant. Non, non. J'ai une mémoire assez nulle. Ça va, t'es sur quel jeu?
On va trouver un moyen de te guérir. Ploctol. Innocence. Le jeu avec les rats. Viens voir les papillons. Quelqu'un a l'air de bien s'amuser, on dirait. Il est malade de fou. Elle s'étend, Lucas. Ah ouais. Oui. La macula progresse dans son sang. Les textes disent qu'il existe plusieurs seuils et qu'à chacun de ces seuils, le porteur risque de sombrer à tout jamais. Combien de temps avons-nous ? Pas beaucoup. Hugo approche du premier seuil. Mon maître et ta mère essayaient de retarder ce moment. Mais comment ? Qu'est-ce qu'ils faisaient ? Ils travaillaient sur un élixir très complexe qui aurait permis à Hugo de se préparer. Et toi, tu saurais le faire ? Je ne suis pas aussi savant qu'eux, mais leurs travaux s'inspirent d'un livre interdit, le Sanguinis Itinera. Ça veut dire qu'avec ce livre, tu pourrais peut-être... N'y pense même pas. Le Sanguinis Itinera est un livre dangereux. Il est scellé avec d'autres ouvrages dans les caves de l'université. La zone grouille de soldats, ce serait se jeter dans la gueule du loup. En temps normal, oui. Mais en profitant de la confusion actuelle, on a peut-être une chance. C'est en ville, pas loin de là où ils retiennent mon frère. Super. Si t'es prête à prendre ce risque, je peux t'aider à entrer. Mais laissez-le crever, ce gamin, merde! Il sert à rien! Bon, je vais aller préparer mes affaires. Retrouve-moi à l'intérieur quand t'es prête. Vous allez avoir besoin de matériel. Je vais m'en occuper. Hugo? Le jeu est très très bien fait. C'est un jeu français, apparemment. Il a été... d'une boîte française. Je vais rester avec Lucas. Bien. Je reviens vite. Le gosse a peur d'être tout seul, oui. Ah oui, think so. En fait, où surigel à un cheval? Je sais pas. Le pseudo me dit quelque chose, je sais pas d'où. Alors pas de LOL, ça c'est sûr, plutôt de WoW, mais... J'approuve la mise à mort. Je comprends pas. Alors après, c'est peut-être son petit frère, du coup. Père. Mère. Vous serez toujours ici. Avec nous. Il fait quoi, lui, à quatre pattes? Ah, qu'est-ce que frères. Tu as trouvé? Tiens, c'est du millepertuis. Oh, ça te protégera pour aller à la ville. Elle doit être très puissante. Oui, c'est une très bonne fleur. Elle te va bien. Merci. Tu vois, c'est pour ça que les fleurs, elles disparaissent. Parce qu'elle peut comme ça, il peut remettre chaque fois des nouvelles dans le... Bah, très bien, reste là, joue avec les papillons, il fout moi la paix. Alors, je peux toujours rien construire. Non, je peux toujours rien construire. C'est où que je dois aller? Ah, ici. Ah, te voilà. Alors c'est parti. Tiens, et une dernière chose. Laurentius m'a dit un jour que le chemin qui mène au livre est semé de roses. Alors ouvre l'œil. Des roses. D'accord, c'est compris. Ah. C'est déjà... Le chapitre est très, très...